La coalition menée par l'Arabie Saoudite est sur le point d'achever sa mission au Yémen. Riyad a lancé en mars une offensive contre les rebelles houthis issus de la minorité chiite zaïdite. Les insurgés, eux, se disent prêts à négocier leur retrait des principales villes du pays. À Riyad, le ministre saoudien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse avec son homologue britannique. Nous voyons tout ce qui a été gagné sur le terrain, dit-il. La grande majorité du territoire yéménite conquis par les rebelles a été reprise par les forces gouvernementales. Cette reconquête a un prix. D'après les Nations Unies, 80% de la population du Yémen a désormais besoin d'une aide humanitaire. Mais l'hôpital de Médecins Sans Frontières, à Idan, a été bombardé lundi. Un bombardement dont la coalition arabe nie la responsabilité.